Est un couple qui marque profondément la culture judéo-chrétienne. Si l'adage latin dira « Si vis pacem para bellum », si tu veux la paix, prépare la guerre, la tradition biblique propose une civilisation édifiée sur la justice pour bâtir la paix. Cette justice est sociale, donne-nous le pain de chaque jour. C'est un droit inaliénable à toute personne humaine, que de pouvoir trouver le pain de chaque jour pour lui-même, pour sa famille. C'est une loi naturelle à protéger, à promouvoir. Dans la Bible, on insiste beaucoup sur la justice à offrir à ceux qui n'ont pas de recours, ceux qui sont sans secours, les pauvres, les veuves et les orphelins. 2017, garçon, 200 ans de la Cour de cassation. 200 ans de lutte pour faire briller la justice dans notre société. 200 ans de lutte pour la souveraineté et les demandes de la justice. 200 ans de lutte dans la défense des droits de l'homme. 200 ans de lutte contre la corruption, l'abus et de toute forme d'injustice. Bref, 200 ans de péril. Moi, Lucas, durant mes deux années, quelques mois, passés à la tête de la Haute Cour de justice, je sais que dans les présidents de cette institution et du pouvoir judiciaire, les problèmes, les défis et les menaces qui m'escortent m'emmènent à penser à mes prédécesseurs. Par devant vous, je m'incline devant leur courage. La lourde tâche accomplie. Leurs œuvres sont sacrées et celles-ci méritent notre respect. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le pouvoir judiciaire s'exerce à quatre niveaux. La Cour de cassation, les tribunaux civils, la Cour d'appel, les tribunaux civils et les tribunaux de paix. La Cour de cassation est, dans l'ordre juridique haïtien, la juridiction la plus élevée et est unique dans la République. Elle est instituée pour casser les décisions judiciaires dans lesquelles elle a relevé une violation, une fausse interprétation et une fausse application de la loi. Elle n'a pas à connaître du fond des affaires pour la première fois. En d'autres termes, elle juge de droit et non de fait. Elle veille à l'application stricte de la loi en adéquation à la doctrine naturaliste. Jus id quod justum est, le droit, c'est ce qui est juste.